Salut à tous, c'est Yann, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Squad Builder Challenge. On est parti pour réaliser le défi jouer à l'étranger. Donc voilà, il y a 4 défis. Il y a 4, voilà, 4 défis qu'on va essayer de réaliser. Il y a des packs très intéressants à obtenir. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce défi en vidéo. Les packs, on les ouvrira dans une autre vidéo. Ne vous inquiétez pas les amis, mais pas dans cette vidéo là. Je vais vous présenter donc les équipes que j'ai faites. Et je vais vous présenter à côté aussi une autre équipe qui est l'équipe la moins chère possible pour ce SBC. Donc voilà, tout de suite mon équipe, on va commencer par l'Italie. Donc le nom du défi c'est Italie, il faut au moins 3 joueurs italiens qui ne jouent pas en calcio. Donc 5 joueurs, il faut 5 aussi, à côté de ça il faut 5 championnats. Exactement, avec maximum 4 joueurs du même pays, 79 de notes et 100 collectifs. Donc voici l'équipe que j'ai fait. Donc je vais vous présenter les joueurs un par un. Donc au niveau des championnats, donc il y a du BPL, il y a de la Liga BB, la Liga Santander, de Liga portugaise, de la D1 russe et de la Liga. Voilà. Au niveau des trois italiens, ce sera Crisico, Soriano et Balotelli. Et après, donc je vais vous montrer les joueurs. Donc j'ai pas fait les moins chers pour moi. Donc voilà, j'ai pas fait les moins chers. Moi personnellement, parce qu'en fait j'ai plusieurs joueurs dans mon club, donc j'ai utilisé les maximums de joueurs que j'avais dans mon club. C'est pour ça qu'il y a des voilà, j'ai pas exactement la même équipe que le défi le moins cher possible, tout simplement. Donc niveau du but, ça sera Adrian. Si voilà, ça veut bien changer, c'est Medo, j'ai acheté 800 crédits. Wiz 1000, Alvaro 600, Fichico ça va être plus cher, 3500. Pizdi j'ai dans mon club. Soriano m'a coûté 2500, Chateau dans mon club, Série 700, Belanda 500 et Balotelli premier détenteur. Une équipe qui, je pense, avoisine les 5-6 000 crédits. Voilà, vous pouvez même plus, plutôt 7-8 000 crédits pour ce défi. Et donc voilà, je vais vous montrer à l'image une équipe la moins chère possible. Et donc n'hésitez pas à la réaliser. Il faudra certainement dans certaines équipes réaliser les 10 mois de fidélité, mais ça franchement ça se fait tout simplement les gars, vous lancez un match, vous quittez l'application, vous revenez et voilà, vous lancez un match hors ligne, vous quittez l'application, vous revenez et voilà, le match, vous allez avoir le nombre de matchs à jouer sans la défaite en plus, c'est ça qui est parfait. En tout cas pour ce premier défi, les réussis nous permet de récupérer un pack de 15 000 crédits et 1000 crédits. Ensuite nous avons France avec exactement 3 joueurs français. Ah merde, du coup faut que je rachète ces médias. Ok, c'est pas grave. Donc il faut exactement 3 joueurs français qui ne jouent pas en Ligue 1, 4 joueurs du même, maximum 4 joueurs du même du championnat, maximum 3 joueurs du même pays, avec 80 notes sans collectif. Donc je vais juste rajouter ces médias qui est juste parti dans un défi. Voilà, on va le prendre, je vais le racheter tout simplement, on va racheter une vidéo. Bon, je le rachèterai, je vais aller vite fait. Je vais aller vite fait et le racheter tout de suite. Tiens, c'est pas grave, pendant la vidéo, on va le racheter. Tout simplement, donc ce défi, je vais vous montrer. En attendant, je vais vous montrer l'équipe la moins chère possible pour ce défi. Donc, ce défi France, j'ai fait une petite hybride Ligue 1, Liga BB, Liga portugaise. Tiens, 700 crayons. Impeccable. Ensuite, j'ai fait une équipe France Ligue 1, Liga BBVA, excusez-moi, je dis n'importe quoi, avec de la Liga portugaise. Après le reste, je me souviens plus. Voilà, je suis retourné. Donc ouais, après j'ai fini avec de la Ligue de calcio, simplement la Ligue italienne. Donc voici l'équipe au budget Casillas qui m'a coûté 1100 crédits, Semedo 700, Marcano 2000. Bayern 700, Mario 8000, Reyes que j'avais dans mon club, Salvio que j'avais dans mon club, Nasri également, Fernandez également, Gamero et Benítez qui étaient dans mon club. Donc un défi qui m'a coûté personnellement à peu près je pense 3000 crédits. Mais voilà, si vous avez, il faut acheter les joueurs, donc je vous conseille plutôt de faire l'équipe que je vous ai montrée à l'image. Et faites ces équipes et je pense que pour 7-8000 crédits vous pouvez l'avoir. Donc voici le défi, 3000 crédits on récupère avec un pack or rare, donc un pack à 25 000. Et maintenant on va partir pour le défi Allemagne qui faut au moins
trois joueurs allemands, avec des gens qui ne jouent pas en Bundesliga, quatre joueurs du même championnat max, quatre joueurs du même pays max, 79 de médecine collective. Voici l'équipe que j'ai faite, donc c'est le défi qui m'a coûté le plus cher, je crois. Donc une hybride BPL d'un côté, ligue turque de l'autre, et en attaque, on a donc des joueurs de l'Inter, tout simplement, pour le collectif et pour l'AN. Donc au but, j'ai mis Fabrizio, il m'a coûté 500 crédits, Beck, il m'a coûté 2800, Marseille 950, Blind 950, Vanana, déjà dans mon club, Arslan 3000, plus cher dans mon club. Ensuite, j'avais Schmeisteiger acheté, que j'ai dans mon club, excusez-moi, Biabani 750, Young, premier auteur, Vanega, j'ai acheté 2300, et ce que j'avais dans mon club. Donc, un défi qui m'a revenu personnellement à peu près 7-8000 crédits. Donc, je pense que c'est à peu près, pour 10 000 crédits, je pense que vous pouvez réaliser ce défi. L'équipe classique avec un côté BPL pour le joueur allemand qui est Schweinsteiger et le côté turc avec les deux joueurs allemands qui sont Beck et Arslan qui sont plus dans le rien parfait. Donc, c'est assez facile à les caser. On va donc remplir ce défi, on va aller récupérer ce pack allemand et pour finir nous allons partir sur l'Espagne avec au moins 3 joueurs espagnols qui ne jouent pas bien sûr en Liga, avec 3 joueurs max du même championnat, 3 joueurs max du même pays, 1 joueur minimum 80 notes et 100 critiques. Donc ce défi c'est personnellement ce qui m'a coûté le moins cher pour moi, mais tout simplement parce que c'est, je pense pas qu'il est très difficile à réaliser. Bon, bien sûr j'ai utilisé un joueur spécial, là voilà, vous pouvez mettre un autre joueur du Portugal, excusez-moi, du Sporting Lisbonne, j'arrive plus à trouver le mot, il est 4h30 du matin quand je tourne cette vidéo, c'est n'importe quoi. Enfin bref, donc voici l'équipe, donc bien sûr, un côté anglais, un côté italien, un côté liga portugais et russe. Donc au but, Jules César, en défense centre droit, Ivanovic que j'ai dans mon club avec Lovert, ça c'est son crédit, lui bien sûr j'ai dans mon club, je cale parce que je sais très bien que je vais jamais l'utiliser. Grimaldo j'ai dans mon club, Bessino j'ai dans mon club, Christophe Rouen que 500 crédits. Valero que j'ai dans mon club, Tora que j'ai dans mon club, Carole 700 crédits et Nobito dans mon club. Donc ce défi pour moi il va dû coûter max 2000 crédits je pense. Et voilà, je pense que pour vous il doit coûter à peu près dans les 10 000 crédits je pense, un peu moins. Donc voilà, je vais vous montrer actuellement, vous avez l'image de l'équipe la moins chère possible pour ce défi, n'hésitez pas à le réaliser. Et donc on peut obtenir un pack méga, donc c'est vraiment pas mal. Et pour avoir réussi ce défi, c'est défi. Donc nous récupérons 5000 crédits à un pack joueur, donc c'est vraiment d'un pack à 50 coups. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réaliser, je pense que c'est assez rentable, n'hésitez pas à réaliser ces défis, c'est qu'il y a. Au sein de vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait. Bye tout le monde.